Alcibiade a dit que les Étaïres pourraient m'aider à trouver ma mère. J'aurais bien de chercher où se trouve tout ça. Εξαγωνιστήσονται εν τη αυλή του αιμού γείτονα. Ταχαίως εξέρχομαι. Κατενεχήρασα την των περιπεραίων της θηγατρός μου, ψε, ώστε νημή ημί χρηματίας. Απεχθέστα τον εστί. C'est toi, Antouza? Qui ça? Moi? Et après tout, mon cœur, tu peux bien me donner le nom que tu veux. Moi, je suis bien moins chère que les Étaïres, et je m'y connais beaucoup mieux qu'elle en galipette dans la paille. Et donc son nom ne te dit rien du tout? Antouza? Je connais ce nom depuis toujours, mais je ne l'ai jamais vu. Je sais que les Étaïres travaillent sur un pied d'égalité, mais Antouza sort du lot. Quand elle parle, on l'écoute. Je n'ai jamais rencontré d'Étaïres. Alors ne crois pas tout ce qu'on dit. Elles vendent la même chose que beaucoup de filles de Corinthe. Mais pour elles, ça dépasse la chair. Ce sont des sortes de marchandes. Elles parlent aussi bien qu'elles sont belles. Ça a l'air d'être un bon métier. Tu n'as pas envie de devenir Étaïre, toi? Je ne suis plus de première jeunesse, Mystios. Le temps que j'apprenne leurs secrets du métier, les clients ne voudront plus de moi. Il n'y a pas d'Étaïres ici. Où sont-elles? Elles sont bien trop fières pour traîner par ici, comme nous autres. C'est en haut de la colline que tu les trouveras, dans l'Acrocorinthe, près du temple, à satisfaire ceux qui vénèrent Aphrodite. L'endroit est forcément surveillé. Je dois rester prudente. Allez. De la Crocorinthe. Voilà ce que je cherche.
Elles ne viennent jamais ici. Ces porcs s'imaginent qu'on a bâti ce temple pour eux. Oh, des voleurs, mais pas la moindre trace d'Étaïr. Les Étaïr. Elles sont bien plus malignes que nous. Elles ont compris que leurs visiteurs se faisaient détrousser en venant ici. C'est impossible d'échapper aux hommes du Maguignon. Oh, quelle idée de se choisir un nom comme Maguignon. Ah, ne dis pas une chose pareille. La dernière fois qu'un crétin a prononcé son nom, il s'est fait arracher la langue. Alors, ce Maguignon, c'est un criminel de Corinthe ? C'est le maître des marchés clandestins. Toujours une main tendue pour qu'on le paie, et l'autre, serrée sur une arme. Un monstre, assoiffé d'argent et de sang, voilà ce qu'il est. Comme ça, il traque les Étaïr, pour de l'argent. Tu as deviné. Les Étaïr gagnent beaucoup d'argent, alors il veut tout ce qu'elle contrôle. Je préfère que les voleurs s'en prennent à elle plutôt qu'à nous. Si vous connaissez les Étaïr, vous avez entendu parler d'Antouza. C'est elle que je cherche. On dit qu'elle est partout. Et je ne l'ai jamais vue. Mais rien n'échappe aux Étaïr. Je les ai vus se rassembler à la source de Pyrène, plus bas sur la montagne.
Elles y retrouvent leurs clients, puis les emmènent ailleurs en secret. Bien. La prochaine fois, priez Aphrodite chez vous.